Ça qui est chiant parce qu'on est obligé toujours de sélectionner le fichier. Voilà. Voilà, on va plus toucher. Et on va attendre. On va attendre. Oui, j'ai des lunettes de gamer. Ils sont comme ça, vous voyez. C'est fait exprès. Vraiment que je trouve un endroit où je peux boire. Hein. J'ai aucun contact pour le moment dans mon jeu. Je suis seul au monde. Il faut que je trouve un truc pour boire ou des choses comme ça. Parce que là, je vais mourir de soif à force.
Il y a de la caisse là. Est-ce qu'il y a une machine? Ah bah voilà. Est-ce que je peux l'utiliser? Non, je peux pas. Il y a un bon truc à boire là parce que il me faut vraiment un truc à boire. Bar café qui est juste là. Moi il me faut pas un bar café, moi il y a combien de bars? Ok, il n'y a rien du tout. Comment je fais pour... Ça c'est le centre d'approvisionnement. Ok, bar, café. On va aller au bar café hein. C'est par là. Wow. Tout ce qui est marqué dans les commentaires, c'est l'histoire de mon personnage en fait. À la base, je voulais mettre Ichabod Crane, mais on m'a refusé, du coup j'ai mis Ross Crane. Alors c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a au moins quelque chose à boire là dedans parce que j'ai faim, j'ai soif. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Je vous ai vu courir alors je me suis posé la question. Ah, excusez-moi, je cherche un truc pour boire. Ah bah ici. D'accord. Vous avez un peu d'argent? Oui. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez une voiture chouette, hein. Ah, merci bien. Alors. Ah merde. On dirait que c'est tout épuisé. Ah merde, je les ai même pas vus. C'est marqué épuisé en fait à chaque fois. Ah oui. Du coup, je sais pas là, où. Y a plus je... rien. Y a... Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Bah, si vous voulez, je vous emmène. Avec plaisir, madame. Je me présente Rose Crane. Vous faites quoi dans la vie? Ah, ça faisait très longtemps qu'on m'a pas posé cette question. Je travaillais avec une personne qui est décédée depuis longtemps. Oui. Je travaillais dans le scientifique et la criminelle avec une personne qui s'appelait Abby. Et je suis un ancien travailleur dans le surnaturel. Vous voyez. D'accord. Voilà. Du coup, j'essaye en fait. Je suis à la base. Je travaillais avec la personne qui est décédée depuis longtemps, Abby. J'étais consultant. Ah merde. Voilà. Du coup, je cherche un peu un travail où je peux montrer mes talents d'historique et de criminel, en tout cas. D'accord. Oula, voilà. Il se passe quoi là? Oula, attendez.
Eh ben, il y a du monde. Ouais, je sais pas si c'est bien. Ouais. On va y aller mieux. Oui, allez-y. Ah voilà, ça commence à aller. Par contre, où est-ce qu'on va aller, ça, je sais pas encore. Ah, on dirait que votre pare-brise a été cassé. Un petit peu, oui, je vous avouerai que la voiture doit être aimantée parce que les poteaux sautent sur ma voiture, donc c'est terrible. Ah oui, ah oui, d'accord. Ah oui, vous voyez quoi. Même la vitre de l'arrière, eh ben. Même les. Ah, je suis une conductrice hors pair. Ah oui, bah je vois ça. Hein, mettez votre ceinture. Hein. Oui, c'est fait, c'est bon. où est-ce qu'on peut aller? En tout cas, c'est bizarre de voir une voiture avec les, à peu près les 4 vitres cassées. Mais, ah bah oui. Franchement, je kiffe votre voiture en tout cas. Merci. C'est pas évident, hein. C'est un travail. Hein. Attendez, excusez-moi, je vais vite faire retirer un peu d'argent. Allez-y. Oh, j'hallucine. Sa voiture, elle est en miettes. J'hallucine quand même. Hein. Il y a toutes ces vitres sont cassées, mais hallucinant. J'hallucine. Bon, il reste quoi? $100. Ça ne s'arrête pas. Et vous travaillez dans quoi? Alors, je tiens le casino. Ah, d'accord. Voilà, le casino n'est pas encore ouvert, ça va pas tarder là. D'accord. Avant, j'étais avocate, et voilà, j'ai changé un petit peu. D'accord. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On va vite se barrer de là, nous. Oui, je pense. C'est un peu bizarre cette histoire. Hein. Oui. Alors moi j'espère travailler en moins dans un secteur qui me plairait. Ah oui. Donc là vous recherchez vraiment dans tout ce qui est information, etc. C'est ça? Oui, c'est ça en fait. Moi je cherche pour travailler en tant que consultant pour la FPD. D'accord. Et du coup, on m'a dit que ça va être très compliqué et du coup, il faudrait que je trouve autre chose pour le moment. Ah merde, pourtant ils en ont besoin, je pense, à mon avis. J'étais avocate, je gérais pas mal d'affaires contre eux et je pense qu'ils ont besoin d'un consultant. Hein. Oui, je sais. Bah, du coup, normalement, il faut que je sois agent pour être consultant. Du coup, j'attends, j'ai quelqu'un qui doit m'appeler 08. Voilà, tu dois m'appeler. Merci. Oui, Mathéo. Ah, j'aime bien quand tu me parles comme ça. Vas-y, dimanche. Ah ouais, ah c'est super. C'est quelqu'un de confiance. Ah bah ce serait super. Bien sûr, on va venir. Bah, il est disponible quand? Du boulot là. Oui, voilà. Bon, on essaie de faire comme ça. Merci beaucoup. Hein. Tu me sauves la vie dans tous les trucs. Super. T'as l'air. Derrière, ça doit être un mec qui parle énormément. Excusez-moi. Oh, c'est pas grave, allez-y. Travail, vous savez. Oh, ça arrête pas. Il devrait avoir à manger ici, à mon avis. D'accord. Oui, allô. Coucou Soso, bah ça va bien. D'où est l'eau là?
Bonsoir. 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 Vous avez faim vous... Pardon. Vous avez faim, vous avez soif? Oui, j'allais aller acheter à boire et à manger, vous voyez. Ah, eh ben allez-y, vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut. D'accord, merci beaucoup. Il y a pas de quoi. C'est pas très très grave, ça se voit. Bon, voilà, sans péter de temps. Ok. Ouais, c'est quoi, des extensions que t'as fait, non? Ah non, pas du tout, hein. J'ai laissé pousser pendant 3 ans et demi. Hein. Ah ouais, ok, d'accord. Okay. Bah ouais, hein. Et puis ça demande beaucoup d'entretien, hein. Okay, parce que du coup, okay. Hein, ça me coûte cher en notre coco, aller en crème de coco. Hein. Ouais, c'est clair, ça coûte cher tous les produits pour gonzesse, là. Ah bah ouais, hein, tout à fait. Hein. Ah ouais, parce que t'as beau en avoir une paire dans le pantalon, et tu dois quand même utiliser les trucs de femme pour les cheveux, quoi. Hein. Ah bah ouais, ça j'ai pas le choix pour les hommes, c'est pas grand chose. Bah sauf pour la barbe, hein, au niveau du lissage de la barbe, même si elle est courte, j'utilise quand même une petite huile à base d'aloe vera, histoire ouais, de tout adoucir, ça c'est parfait, hein. Mais ça c'est dans la gamme homme. Ah ouais, tu trouves ça dans la gamme homme, okay. Ah oui, tout à fait, c'est pour les barbes. Il parle. Ok, hein, je serais pour à moitié, moi je me lave avec du savon de Marseille, là, et ça me suffit, tu vois. Oh, je comprends bien, mais il faut faire attention à ta peau, hein. Surtout, regarde, t'as des petits atouts, hein. Du coup, il faut en prendre soin de ta peau. Hein. Ouais, de temps en temps, un petit peu de crème. Plein de lui. Temps, quoi. Ah, bah, énormément. Ouais, je comprends bien. Du coup, hein, mon petit du monsieur. Du coup, ouais, t'as une liste là ou quelque chose là de ce que vous avez? Attends, je regarde sur Life Invader. Hein. Ah, bah écoute, je peux. C'est quoi, je veux pas d'alcool, je vais aller travailler un peu. C'est quoi, je veux pas me picoler la gueule là. Écoute, à la limite, ce que je peux te proposer, alors à ce moment-là, on a soit du Contrex si tu veux faire attention à ta ligne. Oh, ouais. Si tu es un peu moins regardant, on a les limites du Coca, mais c'est fort, fort sucré. Hein. Sinon, on a aussi du jus de fruits. Ça, c'est très, très bon. Ouais, hein. Jus de fruits, ça fait bien. C'est quoi? Et sinon, on a aussi des jus de carottes également. Ça, c'est super bon pour les yeux. Hein. C'est quoi? Tu peux mettre deux jus de fruits. C'est trop fort. Ok. Deux jus de carottes en bouteille, comme ça, je peux les mettre dans. Ouais, dans pas de soucis. Sac, hein. Je vais garder un petit peu. Bah écoute, je te mettrai ceux qui sont fonds du frigo, comme ça ils sont bien frais quand tu désires les boire. Ouais, ouais, nickel, c'est cool. Et à manger, t'as quoi de bon là? Alors écoute, je regarde ça, hein. Je sais déjà qu'on a des panini. Hein. Ouais, mais tu sais quoi, un panini, hein. Moi, un panini bœuf poulet s'il y a. Ouais, bonsoir. Ah, le monsieur là il doit se dire putain il est chiant, il met 40 ans à se commander là. Qui ça? Ah, pas de soucis. Ah, votre collègue là. Bon bah écoute du coup hein, au niveau des sandwichs j'ai plus de bœuf, j'ai que des poulets. Hein. Et t'as rien d'autre? Bah écoute j'ai le végétarien si tu veux. Oh non non ouais, moi je suis pas végétarien. Végétarien. Sérieux j'hallucine. J'hallucine les choses qu'il y a le gars comment il fait du RP. C'est les poulets ou c'est bœuf énorme. Tu m'as dit c'est énorme. Poulet poulet. Ouais poulet, bah, tu mets moi deux poulets et basta. Je suis super t'as encore content des grillades, vraiment là, énormément de la bagnole je crois. De c'est ça. Ouais, j'ai encore des grillades. Dans ce jeu, je kiffe les roleplays, surtout les gens, ils assurent énormément. Putain, j'arrive pas à trouver la perceuse pour les jeux de fruits. Ok, c'est bon, je l'ai. Bon, bah, tu m'en perds ça à la limite, hein, mais pas tout ça. Tu me les gardes. Je te ramènerai les bouteilles si elles sont consignées, ça, pas de problème. Hein. Mais écoute, pas de soucis, je regarde ça. Ça te fera du coin hein, pour les 4 panini, hein, ça fera en fin 240. Hein. Et ensuite, pour les jus de carottes. Les jus de carottes, du coin c'est 30-30 donc ça fait 60-60 120-240 ça te fera 360 hors taxe. Waouh, tu me fais une facture et basta. Et bah écoute, je te fais ça sans faute de petites secondes. On a plus de jus de fruits en fait. Ah, des jus là, c'est la misère pour avoir à manger là. Le bean coffee, tu sais quoi. Il hein. N'y a plus rien là, ouais. On en ouais, vient ouais, nous. C'est caca, ouais. Terrible. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y avait rien du tout, épuisé de partout, bah oui, c'est vraiment la misère. Ouais, ça fait deux jours d'ailleurs que le bean coffee, c'est un peu catastrophe, ah oui quoi. Ah oui. Ah là là. Alors, je te fais une petite facture. Ah, vas-y, vas-y.
Tu t'en sors. Et voilà. Ouais. Je kiffe le RP. Yeah. Bah, surtout moi à faire, je te donne ça. Donc ici t'es ouais. 200 Twitch. Okay. Encore tes 200 Twitch. Ah bah tu m'as quand même mis des vegans quoi au final. Ah bah oui mais j'avais pas le choix hein. Ah ouais ok. Mais il faut un peu varier, tu verras c'est meilleur pour ta santé hein. Oh, ouais oui. Bon tu sais quoi hein, on verra hein, parce que... bon, sinon je le donnerai à mon kleps hein. Et voilà. Tu m'as donné que des carottes là c'est ça hein. Y'a plus de fruits. Oh, mais... Attends, j'ai pris des fruits hein. Vous en avez plus, vous avez... J'en ai retrouvé quelques-uns du coup, hein, mais je les ai pas pris. Oh, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est le bordel dans ton frigo ou quoi? J'ai plein de choses. Ah oui, oui, hein. Bah là, je vois un petit peu, j'aperçois au loin, ouais, ça a l'air d'être un peu le souk, quoi. Et du coup, monsieur et dame, vous venez chercher aussi à manger, je suppose. Oui, oui, manger et boire. Et ouais. Boire, oui. Vous pouvez rien aussi. En ville, il n'y a plus rien, alors. Après, il y a le Bayview, il y a le Bayview, mais bon, le Bayview, c'est un peu excessif. Bah, et tiens, Bayview, du coup, je te rends tes deux jus de carottes. Très, très, très cher, le Bayview. Et pas parfait, hein. Là. Bon, allez, moi, je vais bosser un petit peu. Et... Allez, oh, vas-y, non, c'est quoi mets-moi... Attends, mets-moi une bière, je prends une bière et j'y vais. Hop. Bien. Avec une bière, je serais pas bourré, hein. Bon, faudrait quand même faire un peu attention sur la route, hein. Vous avez vos bières à vous là ou pas? Ouais, je crois que j'en ai. Hein, de... Vas-y, charme-moi, ferme-en une, ouais, comme ça. Eh bah, pas de soucis. En plus, c'est une blanche, ça sera léger pour aller travailler. Ok. Une bière blanche, ça n'existe pas. Bon, celle-là, je la paye en cash. Une bière blonde. Je sais pas combien là. Ah bah, ça sera 80. Voilà, ok. Oula, non. Non, ça c'est moi, ça me ouais. Semble non. Franchement, si j'avais un peu plus, ça m'aurait pas dérangé, mais là, autant vous dire qu'il me reste 2000 balles sur mon compte. Bah non, vous inquiétez pas, je fais pas la manche. J'ai subi une grosse perte qui m'a fait vraiment mal. Donc, ah, voilà. Salut Juju. Et voilà, s'il te plaît, ouvrir. Bonsoir. Ah, oh, bah super, j'ai tout excité. Mais je vais m'occuper de monsieur avant ça, parce qu'il m'attend quand même de pas. De... Il a il attend, le pauvre. Ça va. Oh, je vais passer faire les jambes d'ici peut-être, je sais pas, ce soir, fin de soirée, c'était encore là. Hey, excusez-moi. Ouais, bah oui, demain. Mais vous inquiétez pas. Ouais, tranquille, bah demain alors. Du coup, est-ce que je peux vous servir quelque chose? Ah, que coucou. Oui, oui, vous me ferez une facture de jus de fruits et de sandwich, s'il vous plaît. Comment est-ce ça? De sandwich et de jus de fruits. Okay. Vous me mettez un peu de tout. Parfait, bah j'arrive. Ça vous ferait du bois hors taxe, comment dire, 60. Ça fera 180. Dans ma facture. Sur ma facture. Oui, oui. Hors taxe, oui. Oui, oui. Du coup, t'as pas le rendez-vous ce soir alors. Alors du coup, pour 08, du coup, je lui en ai parlé et devine quoi, c'est tout bon. Non. Vous êtes trop gros, monsieur. On passe plus. Ah ouais. Non mais je ressemble pas non plus à quelqu'un qui fait 233 kilos. Non c'est tout bon sérieux. Par pitié, tu as la dépannologie là ou quoi? Du coup il y aura Goody Glou aussi à vendre. Donc il va parler à la 22. Pour ouais. Lui il n'y a aucun inconvénient. Et il y aura une tournée générale. Juste récupérer les papiers. Faudra juste que du coup je rappelle 08 dans 2 heures environ. Ah c'est top. Tout simplement. C'est super. Quel? Je savais que t'étais le meilleur. Je m'éloigne quand même. Du coup, monsieur, dame, tournée générale. Vous vous servez, c'est moi qui rince. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a personne qui veut boire, donc. Personne qui propose des tournées générales, ça existe encore. Mais voilà. Alors, bah, ouais, c'est une facture. Ouais, je vous ai pris un jus de trotte, un jus de fruits, un comment dire, sandwich vegan et un sandwich poulet. C'est parfait. Patron, ça commence à parler gros panini là. J'aime pas ce bar là. Ça commence à tourner mal. Bah non, mais des panini, vous savez pas c'est quoi des panini? Ouais, ouais. Ouais, vas-y, je me pousse. Calibre 36. Et voilà monsieur, je vous en prie.
C'est parfait. Bon, je vais faire c'est le parfait, tour. J'accepte. Merci beaucoup. Voilà. Parfait, parfait. Je vous donne qui ça. Veut quoi? Oui, parfait. Merci beaucoup. Je vais te prendre une bière ambrée, moi. Une bière ambrée pour toi. Putain, c'est pas possible quand même, ils peuvent laisser un peu aux autres qu'ils arrêtent de dévaliser comme ça. Une bière, un whisky. Merde, j'en ai pas pris sur moi. Mais ils travaillent pas beaucoup là-bas ou quoi? Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez prendre votre verre, s'il vous plaît? Oui, oui, attendez. Ah non, mais c'est clair, moi j'aurais une entreprise. Attendez, comme ça, ça deux minutes. Ouais, vous voulez quoi? Nico, viens. J'ai un petit problème, on dirait. Ouais, normalement, ouais. Je dois avoir ça. Nico, viens voir, s'il te plaît. Bah écoutez, ouais. Fermez peut-être les yeux deux fais-moi minutes dans facture, votre voiture. Fais... Moi, je vous attends ici. Et dès fais-moi que vous êtes de retour, je vous sers, ça vous va. $1000 et tu fais une tournée ça générale marche. Pour tout d'accord. Le monde. Et ce qui reste, c'est pour ta gueule, parce qu'on m'appelle. Là. Bah, je vous attends ici. Il y a du Nico, il y a des tartelettes. Trop de choses. Ah bah c'est ouais. Ouais, y a un bordel ouais. Tant mieux, ouais, tant mieux. Merci merci à toi. Allez, à plus. Bah, de rien, merci. Je reviens tout à l'heure. Pas de soucis. Alors, faut déjà votre jus de carotte. Alors, du coup, monsieur, vous voulez boire quoi? C'est offert par la fourrière. Alors, voilà. Ah merde, dans le fût. Parfait, je vous sers votre jus de fruits. Merci beaucoup. C'est ça, c'est le whisky. Un petit sandwich poudlère. Merci. Et ils peuvent pas faire une solution pour et du coup, un petit sandwich végétarien. Merci. Messieurs, voilà, monsieur, en tout cas, merci pour votre patience. J'espère que bah, je vous souhaite une très c'est bonne offert dégustation par le patron de nos produits. Oui, il n'y a pas de problème. Merci c'est beaucoup. Pas, je vous en prie. Bonne non, soirée, vous, monsieur. Merci à vous aussi. Il essaye. Merci. Du coup, je dis que c'est le patron. Bon, il a payé la tournée en même temps. Bah, Toudou, c'est son père. Nourriture. Bah, tu balasseras Toudou, c'est pas grave. Du coup, messieurs, dames, j'ai pas entendu, excusez-moi. Voilà, je garde. Boire quoi? Bon, moi, j'attends ma tournée aussi. Pour la tournée. Oui. Il faut être maline. Tournée générale, c'est gratuit. Bien vu, Mia. Ah, ça me dit pas ce que vous voulez voir, hein, si vous êtes en train de tourner. C'est la première, hein. Du coup, ça va, c'est pas mal ce petit RP que je fais là, je suis content.
sur le serveur, il est stylé en tout cas. Dit Kobogan, je sais pas comment on dit. Ouais. Et Dizer Birbar. Parfait. Tour d'abord. Alors, tu veux que je fasse le grand 8 promo. Normalement, t'en as pour 2004. Et ouais. Je te fais le tout 2000. Ça te fait gagner 400 dollars. Super bien. C'est moi. Attends, ce qu'on va faire, c'est que hop, téléphone dans la poche. Ah bah ouais, je sais que tout le monde m'aime. Bon, ça va, tu commandes tous les soirs. C'est vrai. Donc on peut faire un... Oh, je te donne le catalogue. Ah bah le catalogue, j'ai pas envie d'acheter une moto, pas tout de suite. Tu veux une moto? Non, pas tout de suite. Bah écoute, tu veux... Je suis en mode affaire, là. Si tu veux un petit peu parler. Ouais, ça, ouais. Mais merde, tu fais un peu vite ton poste. C'est tard, la moto. Non, je gueule aujourd'hui. C'est juste pour parler. C'est juste pour parler. Dark Dwell... On va peut-être parler d'or d'abord. Tu me fais une petite facture, du coup? Ouais, voilà. Super. Ok. Bah non, mais on va juste discuter, ouais, t'inquiète pas. Voilà. Quoi? Après, je vais savoir que tu l'as sucé et tout. Ah ouais, c'est non, chiant. Non, ça. Non, je vais juste mettre les idées à la base et dire que je suis avec toi dans tous les cas. Et bah, les factures, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a le truc. Ouais, bah oui. Essaye, la prochaine fois, essaye de prendre de l'espèce. Bah, j'en ai, mais pas autant en fait. C'est vrai que 2000 dollars. Bah, quand tu sais que tu viens, tu passes route 68, tu prends des pièces, ça te fera moins cher. Ouais, c'est pas faux parce que c'est vrai que j'ai prévu 1000 dollars, mais pas plus. Je te donne des astuces. Ouais. Ouais, mais moi je suis maligne pour le trafic. J'hallucine. Vous avez été servi, monsieur? La petite pierre. Oui, oui, c'est tout bon. Merci t'as beaucoup. T'as vu mon riata dehors, bon, c'est super. C'est sympa. Hein. Je kiffe vos tatouages, mademoiselle. Ah bah ouais. Ou ah bah merci. Johnny, c'est madame, je suis marié, j'ai 40 ans. Ah. Okay. Bon, bah il a bien aimé. D'accord. Il a bien aimé. Madame. Ça va, Juju? Ah parce que j'en suis pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, Juju? En train de penser, là. Ouais. Non, je suis pas dans mon bonzo, j'ai encore. Ah tu manges. Ah. Ouais, bah pense pas trop à Céleste. Hein? Ouais, j'achète. Mm-hmm. Mm-hmm. Oula, alors déjà on parle pas de la bouche pleine, on t'a jamais appris. C'est mal poli. Je suis sûr que tu dois le dire bon. À ton cousin. Je parlerai pas souvent. À la fin, après avoir touché nos poitrines, ta tête dans mon cul. Tu vas payer combien, je sais pas quoi. Je pense ah d'accord, donc du coup maintenant ça y est, on est. Ah d'accord, il y a plus de barrière. Ok, donc maintenant on est proche, c'est ça. Voilà. Non. Ok, et non, c'est quand non, du non, coup le broutage des menous maintenant? Moi je dirais genre demain soir. Peut-être pas. Oh. Pas de soucis, on se colle à rendez-vous. Allez, je note. Je mets ça de mon âge. Ouais. Ça, tu notes demain soir occupé avec Mia. C'est ça. Pas le coup de cerise, il y est, mais. Tu as acheté des gants. Ah merde. Ah ouais. Ah, je pense que c'était avec Erza. Erza. Je l'appelle Lolo du coup. Attends, je vais l'appeler. C'est pas son passé. De qui? Elle. C'est qui Erza? Ezra. Ah Erza. Bah, il est avec Fistou. Et ah pourquoi il sait pas son passé? Bah il est en train de parler avec Fistou. Jure. Bah, y'a pas Fistou, y'a pas Ezra, à ton avis, ils sont où? Oh putain! Oh non, vite! Ah, ça va, c'est raisonnable, je pense, les prix qu'ils vous font. Dans l'ordre de quoi, plus ou moins? Une dizaine, quoi, dizaine, vingtaine de dollars, quoi, la bière. Un peu plus quand même. Ouais. Ah, après, faut aussi qu'ils s'en sortent, quoi, hein. C'est clair. Hein. Après oui, ils ont quand même pas mal de commandes, je pense. Ils ont les commandes au niveau de Bafou. Ouais, il y a le sud. Ouais, Birdie. Ouais. Le tequila là, il va pas de soucis. Aussi. Le tequila là, j'ai rencontré les patrons hier. Ils avaient l'air assez contents d'ouvrir. Moi, je leur ai dit, écoutez les gars, moi, un bar... faut le tenir quoi, hein. Il faut être là, faut être présent, faut toujours faire des nouveautés, des soirées, faut toujours organiser quelque chose parce que si tu
fais rien et que tu fais derrière ton bar, ça prend des gens. Ouais, elle est partie la dame. Au bout d'un moment, tu vas couler quoi. Pourquoi ? Mais non ! Ah, moi c'est Nico. Lui c'est Silas. Ouais. Je sais qu'on s'est croisé hier au Béni. Oui oui mais bon le souci c'est que je vois beaucoup de monde hein, je dois avouer. Non, ok. Oui oui. Je comprends. Je voudrais l'adopter. Ah ça c'est pas faux. Non, non, la vente. Ah bah moi c'est Ted. Ted. Ouais ou Tak, ouais Dylan. Ted. Bah moi comme je fais de beau, bah je suis chômeur professionnel. Ah chômeur. Je pensais que vous travailliez dans la mairie. Ah non non, j'ai trouvé là dans la rue. Pardon. Ah non, peut-être plus tard. En tout cas ça lui fait faire du sport. Hein. D'accord. Et vous recherchez quoi? Moi j'ai assez couru pour ce soir. J'aurais bien aimé travailler dans la pêche, mais bon, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs. Hein. Bon. Ah, c'est moi, excusez-moi. Oui, cou. Oh putain, j'en peux plus. Il croit vraiment être discret. Hein. Ouais, il croit être discret. Hein. Bonsoir. Et du coup, hein, monsieur, même, dame, même qui moi, vient d'arriver. Plus discrète. Hein. Vous voulez boire quelque chose? Avec plaisir. Écoutez, ouais, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Je sais pas, vous avez quoi en stock hein? Ah bah écoutez, on a de la bière, on a du whisky, on a du Jack Daniels, on a du rhum, on a de la tequila, on a de la vodka, on a du saké, on a du cognac, on a du Jet 27, on a du Contrex, du Pepsi, du Métifruit, du jus de carotte, et on a des panini, des donuts, et on a aussi des cigarettes. Et la bière, Barger. Oui.
Voilà, d'habitude je prendrais un whisky, mais parce que c'est la bière à votre nom, je vais essayer la bière. Ah, moi je veux bien une tequila. Et j'ai pas de la ombre si vous avez déjà. Monsieur, je dois y aller. Ouais, on a bah, je voulais essayer, je vais faire ça. Tu t'occupes de facturer, ouais, je vais les chercher. Pouvez-vous me reposer en ville? Ouais, ok, pas de soucis. Oui, oh, pas de problème. Mais toi, tu as aussi, c'est salut, ça salut. Alors. Non, monsieur, une tequila. Te déranger, tu dois t'occuper. J'ai. Tu sais, Mathéo, il nous a parlé un petit peu de son frère. Ah, bah son frère, en fait, il serait intéressé pour devenir croupier. Donc là, je dois aller le voir au casino. C'est à toi de voir. Si t'es occupé, je vais pas t'embêter. Ok, pas tout de suite. Hop, excusez-moi. Vous allez au casino? Oui. D'accord. D'accord, vous allez faire quoi? Bah, je dois travailler, pourquoi? Ah. Je serais bien intéressé voir comment c'est. Oui, bah, si vous voulez. Ah, merci beaucoup. Par contre, je pourrais pas vous déposer ailleurs après. Ça va si je vous redé. Enfin, si on. Oui, allez-y. Bah, je me pose au casino, bah, je vous fais visiter, etc. Et puis voilà, bah, je vous laisse après vous débrouiller. Parce que du coup, je vais avoir pas mal de boulot. Oui, il n'y a pas de problème. Bon bah ça va, vous allez rencontrer tout le monde là. Oui oui, c'est vrai. C'est pas évident, quand on arrive en ville, c'est pas évident de croiser du monde en tout cas. Non, c'est sûr. Il y a des gens sympas qui acceptent de vous parler naturellement sans vous agresser. Oui, ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir. Ils sont super au niveau là-dessus. Là. Ah, j'ai jamais de soucis. Là. Oui. Alors le casino c'est assez discret, hein. C'est un casino où on aime la discrétion. Ça va être assez... sélectif. D'accord. Il y a des motos et tout déjà. Oui, ça doit être les employés, à mon avis. D'accord. Attendez, est-ce que vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît, je vais me changer vite fait. Oui, oui, allez-y, allez-y. Je vous fais visiter. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un petit chemin très très simple. Et Donc voilà la première salle. Ah, c'est joli. Les tables, machine à sous, le bar. D'accord. Et là, la deuxième salle, salle principale. D'accord. C'est très joli, non? Oui, très joli, surtout avec les décorations et tout. Tout ce qui est machine à sous, c'est très, très, très joli en tout cas.
Ah oui, ça nous a donné pas mal de boulot. Hein. Ah bah oui, je pense que vous travaillez très très dur. Ah oui. Bon, malheureusement, ça n'est pas encore ouvert, mais bon, ça va pas tarder. Ah bah ça serait... Je serais bien le premier à venir. Hein. D'accord. Bon, bah écoutez, bah, avec plaisir. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Ah bah c'est le Salut monsieur qu'on a Stan. croisé en ville, ça. Alors le Oui. monsieur, je l'ai croisé aussi en ville, il cherchait à de la nourriture, du coup bah je l'ai transporté. Parce que... D'accord. Je m'appelle Royce Crane. Ross Crane, oui. Le monsieur qui a un Oui. problème avec sa voix. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, bah, on est parti au Yellow pour aller chercher à manger et à boire parce qu'il n'y avait plus rien au Bit Coffee. Ouais, il n'y a plus rien en ville là. Voilà, ouais. Et bah, du coup, vu que j'ai emmené le monsieur parce qu'il devait manger et boire, bah, je suis rentré. Il m'a demandé s'il pouvait visiter le casino. Donc voilà, D'accord. il a vu. Quand la mienne, t'avais oublié de fermer la porte. Oh merde, derrière moi là. Ouais, Ouais. pense-y, On vient vraiment. à peine d'arriver en plus. Oh, je suis désolé. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Ok. Bon bah bonne soirée, travaillez bien en tout cas. Oui, bah du coup, oui. Bon courage à vous. Hein. Bah merci Stan, tu peux beaucoup. le raccompagner, s'il te plaît? Ouais, et vous êtes à pied, monsieur? Merci. Oui, je suis à pied, oui. Tu le ramènes jusqu'en haut, c'est tout. Ok, ça marche. Pourtant, j'ai pas autant de problèmes de ma voix comme ça. Un petit peu quand même. Hein. D'accord. Eh ben bonne soirée à vous, monsieur. Merci beaucoup, à vous aussi. Allez, faites attention à vous. Merci. Bonsoir, messieurs. Ah, Attends, monsieur. bonsoir. Je vais sortir de là, moi. Ah, mais par là. Là, on dirait. Il doit avoir quelqu'un. Même pas. On va appeler un taxi.
cas, on va attendre. Allô. Calme, je vois là. Oui, bonjour. Comment puis-je vous aider? Je voudrais aller au centre-ville. Oui. C'est pourquoi vous nous appelez? Vous êtes un autocar, non? Ou un taxi? Est-ce qu'il y a écrit taxi sur la pancarte? Je sais pas du tout, je vais regarder. Ouais, mais regardez mieux, essayez de mettre vos lunettes, et aussi vos lunettes de Chin-Chin, vous savez, c'est la deuxième paire qui est gratuite normalement. D'accord. Merci. Est-ce que ça ressemble à une entrée de taxi, tout simplement, avec une accueil, tout ça? Je sais pas, moi je suis dehors. D'accord, et ce n'est pas ouvert, hein? D'accord. Désolé. Bien. Au revoir. Au revoir. Ouais, il était pas aimable lui, hein. Je pense qu'il faut que je m'approche un peu plus du micro pour que les gens m'entendent. Ok, c'est sûrement, d'accord. Ah oui, c'est en fait, il faut vraiment avoir l'argent sur toi pour acheter un flingot. Là, je suis vraiment perdu. Mais je suis pas très loin du commissariat là. Ok, en fait, je descends là et je suis vers le comico. Je traverse le pont et je suis vers le commissariat. On va traverser le pont et on va se retrouver vers le commissariat là.
t'as une belle couette. Bonsoir. Vous savez, on peut pas mettre un agent SPD derrière chaque concitoyen de Los Santos. Vous payez des impôts, vous, monsieur? Vous êtes chef d'entreprise? Vous avez quelle entreprise? Et donc, du coup, vous déclarez vos revenus au fisc et vous payez votre taxe au gouvernement. Ils payent des taxes. Pas évident quand tu nous ouvres une entreprise. Si t'es suivi, on se cache pas, dans notre quartier. Je suis pas classe, hein. Vous savez, la bine fait pas le moine. Hein. Bon, j'ai un chapeau, un costume, quoi. Mais vous savez, le soir, je suis comme vous, hein. Je me mets en calbute dans le lit. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Bah, c'est un lit spécial, quoi. C'est peut-être tout aussi confortable. Vous savez, moi j'ai acheté dernièrement, j'ai changé la laiterie, je suis pas très satisfait. Je m'en doute. Puis, ça va, c'est à l'abri de la pluie, j'imagine. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas encore fait de carton qui résiste à l'eau. Ouais. Après, l'avantage du carton qui ne résiste pas à l'eau. Ah. Je suis pressé. Hein, je crois qu'il y a personne. Bah ouais, mais ils me prennent mes affaires, ils me les rendent même pas. Bah, je vous le déconseille. Bah, ça va vous coûter cher, messieurs. Non, mauvais plan, quoi. Enfin... Mais Et les camarades. Non, tout de suite. Mais pourquoi avec nous on fait partie de la police, hein, sinon vous aurez enlevé. Ah là là, des policiers, en civil. Mais oh non, sinon on n'attendrait pas là avec vous. Oh là là, tu vas aller en prison toi, man. Non, il a pas de raison. Si, il a déjà les brûles commissariat. Avec des cocktails, molotov et des gros C4. Ah ouais, c'est... Y a pas... T'es pas assez riche, en fait. Bah voilà, justement, pour une fois, tu te brûles et après tu te pourras plus tard. Quel est votre dilemme, monsieur? Quoi, votre dilemme? Cocktail. T'as vu? Par contre, moi, tu me connais pas, tu m'as jamais vu. Au revoir, monsieur. Eh, vas-y, c'est bon. Eh, mais calme. Bah, là, tout enregistré, là, c'est bon. Murphy, c'est ça?
Joker, d'accord. T'es reçu. Bonsoir. Bonsoir. Meurs. Salut BG. Salut, bienvenue à toi, Fir. Un spécial. Qu'est-ce qu'ils font? Bienvenue à toi, en tout cas. Bienvenue sur GTA. GTRP. Les nouvelles aventures de Ross Crane. Est-ce que tu m'entends très très bien? Oula. On attend. J'attends que quelqu'un puisse me recruter. C'est bon, je peux y aller. Ça s'appelle de la corruption de fonctionnaires, sinon. Absolument pas. Ouais. Bah, c'est tout comme, hein. Ah, vous avez obligé de passer devant tout à l'heure. À votre avis. Excuse-moi, mec, mais la tulipe, on peut la récupérer ou pas? Déjà, t'es garde du corps de procureur. La tulipe, la voiture. Bah, parce qu'ils sont tous habillés pareil. Ouais, parce que on a besoin de faire des trucs là et. Oh putain, j'avais pas fait le. C'est le moine là, hein, moine. T'es procureur? Ma batte! Exactement. Non, mais on rigolait, hein. Eh, hey, parlez. Elle est où là, sans nous? Moi, je vais faire en sorte de récupérer la. La fruyère! Poisson d'avril! Bah, on est pas en avril, mais c'est dommage. Mais tu nous. Ça a commencé tôt, quoi. Ne vous inquiétez pas, nous sommes remplis d'humour, comme vous. C'est ça. Oh ouais, elle est là, la tulipe, je crois. Oui, transmettez. Bah. Si, je crois que c'est la fourrière, j'ai vu. Ils sont venus la chercher, je crois. Bon, et ben nous, on va vous laisser parce qu'ils sont bien occupés. Vas-y. On va laisser travailler, s'occuper de vous. Je ne vous dis pas à très bientôt. Non. Bah, si on vous voit pas. Si on vous voit dans la rue, ça va aller. Eh, y'a l'enfoiré, dit qui t'a pété là. Non, putain, voir une Red Bull. Ah, c'est des. Tiens, bonsoir. Tranquille ou quoi? Ouais, bah ça va. Bonsoir, monsieur dame. Ouais, bah tranquille, on est maintenant des honnêtes citoyens. On s'est plus arrêté par les policiers. D'accord. Ouais, regarde, Jimmy qui. Ça en fait du monde juste dans un commissariat, c'est hallucinant. Il y a un regroupement là. Quand c'est vu. Il y a besoin de quelque chose Oui. Bonjour, bonsoir, etc. Oui. Déposer plainte, d'accord. Et je me renseigne juste à côté si c'est plus rapide. Est-ce que. Ah bon?
Monsieur l'agent, bonjour, je suis le procureur order. C'était juste pour vous donner, vous communiquer mon dernier numéro de mobile. Ah, c'est génial, oui, ça, par son ordre. Est-ce qu'on peut rentrer là? Parce qu'il faudrait qu'il ait des accès, lui. Oui, oui, bah, de toute façon, on avait besoin de vous. Ah, bah voilà, impeccable. Attendez, je vous fais rentrer, monsieur le proc. Oui. Ah, c'est pas possible. Allez-y, rentrez, je m'occupe de vous après. Allez, s'il te plaît. Allez, bon courage. Je vais te laisser. Bon courage. Non, allez, s'il te plaît. C'est quoi ton numéro? 155. Ouais, ça. 155. 155 et vous pouvez y aller. Ah, c'est ton nom, ça, vous pouvez y aller. Ouais, parce qu'il y a 155 et vous pouvez y aller. Faut que j'aille où? Et ils sont partis par là-bas. On skate pas, on a une Red Bull avec nous. Ah non, c'est raté. Bah, du coup, à nous, Blondie, c'est parti. Ils vont passer par l'autre porte. Je vais juste attendre qu'ils arrivent à rentrer. Ils rentrent ou ils rentrent? Ok, ça marche. Et nous on prend notre porte. Hop, vous pouvez passer. Et du coup, pourquoi? Bon bah j'attends, je voulais parler au procureur, si je pouvais travailler avec lui. Voir si c'est possible. Mais je suis pas sûr qu'il recrute, hein. J'espère que je pourrais, ça serait cool. Espérons que je pourrais au moins travailler pour le procureur, ça serait cool. Être consultant, pourquoi pas lui demander être consultant du procureur. On va attendre. Ça ira mieux si j'enlève mes lunettes parce que ça fait mal à force aux oreilles vu que ça appuie sur tout le casque. Et pas très très confortable. Oh l'eau. Je vais changer. Maçonnerie par contre. Contact. On a tous quelque chose en... On se tient par le bout des reins. Le premier qui sutera aura une bifiette. On se tient par le bout des... Oh. C'est moi, c'est moi. Non, pas moi, t'inquiète. Mais c'est. J'aimerais savoir déjà. Quand je... Non, pas moi. Moi, je me suis fait menotter et braquer par un mec. Moi, j'ai rien eu, tu vois. Je suis en le cœur. Tu vois. Il fait le malin. Moi, on m'a fait sortir sans rien du tout, moi.
moi je me récupère ma voiture. Eh ben l'autre, entre l'autre qui s'est plaint pour sa batte et tout. Un mirror proc. Bah tu sais pour le braquage. Mais moi on m'a dit qu'une fois la procédure et que tout le monde a pris ses amendes et tout, je pouvais la récupérer. Bonsoir. Ok, bah allez vous faire foutre. Moi je viendrai à 18h. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors attendez que je me mets bien devant vous. Oui, pas de problème. Je me présente Royce Crane. Je voudrais travailler en tant que consultant. Consultant de Du maire ou du procureur, je sais pas. Alors il n'y a pas de consultant pour les procureurs, ça c'est sûr. Et là, mais le gouvernement, j'en ai aucune idée. Nous, on fait partie de la justice. Ah, d'accord. Vous travaillez dans quoi? Dans la justice Vous voulez faire quoi, avocat? En fait, je suis un ancien travailleur. Je travaillais dans un très loin. Je viens d'un très loin pays très lointain. Et je viens sur cette ville. En fait, j'étais consultant avec une personne qui s'appelait Abby, qui est décédée depuis longtemps. D'accord. Je travaillais dans l'histoire et je travaillais dans la science et la criminelle. Certes, mais vous cherchez quoi comme poste? Parce que consultant tout court, moi au niveau de la justice, il n'y a pas. D'accord. Après, au niveau du gouvernement, je peux pas répondre à leur place malheureusement. D'accord. Bah, peut-être venir un avocat, pourquoi pas, ça serait bien. Ça changera. Ah. Vous connaissez les codes pénals, etc. Ah, ça fait très longtemps, je travaillais dans le surnaturel à l'époque. Certes, mais vous connaissez le code pénal, le code de procédure pénale, ça vous parle? Ça, j'ai jamais travaillé dans la justice. C'est un métier que je souhaiterais bien apprendre en tout cas. Alors à ce moment-là, je vous invite à vous rapprocher peut-être d'une des avocates ou d'un des avocats. D'accord. De mémoire, je crois qu'il y a une avocate qui s'appelle Samira Wieselton, mais malheureusement, j'ai pas son numéro. Il va falloir que vous cherchiez un peu. Et à ce moment-là, elle pourra vous former. Parce que moi, pour le moment, je viens, mon téléphone, j'ai aucun contact. Je sais pas comment vraiment trouver ces gens-là. Peut-être me promener à pied en ville, mais c'est tout ce que je fais depuis mon arrivée. Sur votre téléphone, vous avez accès à Life Invader? À la quoi? À Life Invader, sur votre téléphone. Ça fait... Je sais pas du tout. Je m'y connais pas trop en technologie en général. Eh bien, puisque comme tout est dessus, c'est un peu compliqué. Attendez, je vais essayer de regarder. Oui, merci. Une seconde, hein. Allez-y. Ah, pas comme ça. Ah, moi aussi, je suis pas doué avec ça. Ah bah, on est deux. Non, ça se fait que ça marche pas. Mais je suis pas fou pour... Ah mais oui, mais avec la tempête, oh mon dieu... Ah si, c'est ça, c'est bon. Ah putain, y a même pas de numéro, dis donc. Ah. Ah.
Vous avez sonné à l'accueil au PDP, ils vont peut-être vous plus vous renseigner, ils ont peut-être les numéros, parce que moi je les ferai que je n'ai pas du tout. Je sais pas où c'est, le PDP du tout, je viens d'arriver, comme je vous dis, je sais pas vraiment où c'est. C'est juste en face, là. Là-bas. Ah, c'est le commissariat. Oui, voilà. Ah, d'accord. Le commissariat, vous allez voir la secrétaire à l'accueil, là. Oui. Vous lui demandez qu'elle signale votre présence, hein. Elle va sonner, vous inquiétez pas, il y a un agent qui devrait venir, et vous lui demandez éventuellement un renseignement pour un... Je te mets la voix. Oui, allez-y. Et après, ils auront peut-être les numéros de des avocats ou des choses comme ça. Moi, je les ai... Putain, j'arrive pas à les trouver. D'accord, d'accord. Bah, je vais faire ça. Il y a pas de problème. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie, monsieur. Bonne chance dans votre dans merci. Votre quête. Merci, au revoir, monsieur. Bonsoir. Bonne soirée. Merci à vous aussi. On va manger, je pense. Hop, utiliser. Voilà, on va attendre. Bientôt minuit. Oh. Oh yo. Bonsoir. 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 Et bon. Excusez-moi. Oui, monsieur. Je vous écoute. Un de vous trois, je cherche le procureur. C'est moi-même. Ah, enchanté. Il capote. Royce Crane. Mm-hmm. Je travaillais dans la scientifique et la criminelle il y a très longtemps. Mm-hmm. Je cherche à travailler en tant que soit consultant ou soit garde du corps. Mmh. Voilà. Il y a un agent qui peut prendre son numéro et on va voir à l'issue si on a besoin de recruter. Oui, je vais prendre son numéro, monsieur. Donnez-moi votre numéro. Oui, alors c'est le 19. 19. 03. 0. 39. 03, 39. 19, 03, 39. C'est quoi votre nom? Royce Crane. Crane. Crane, ça s'écrit C-R-A-N-E. D'accord. Voilà, c'est enregistré. Merci beaucoup. Pas de rien. De rien. On vous appellera. Bonne fin de journée, monsieur. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Moi, j'essaye de gratter un peu. Comment je peux effacer les appels ?
Bonsoir. Bonsoir, désolé, j'ai un pas pour vous. Gentil accueil. Personne qui veut prendre du temps avec moi. En tout cas, c'est pas moi. Descends de là. Dépêche-toi. C'est bien, il y a personne qui m'accueille là. Oh, ça fait. Oh, je vais pas rester 2 heures là. Un employé est en route. Bonjour, je me présente Royce Crane. Je viens de la part des membres de la justice. On m'a demandé de vous demander un numéro d'avocat pour me former. Une personne qui est très très bonne pour former les gens. Attends une petite minute sur le plan supérieur. Oui, merci. Hey! Oui, monsieur. Du coup, contactez les avocats directement parce que nous ne prenons pas en charge cela. Bah, la justice m'a demandé de demander à vous les numéros parce que je. Voilà. Essayez de contacter le central des avocats, peut-être. Je sais pas, j'ai pas de numéro hein, du tout. Ça fait pas très longtemps que je suis arrivé en ville. Dites-moi, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Rose Crane. D'accord.
Vous venez pour ? Oui, en fait, je viens de la part des membres de la justice, m'a demandé de demander au commissariat chez vous un numéro d'une avocate qui forme les personnes. Et du coup, voilà. Alors, on n'a aucune information là-dessus. C'est qui exactement qui vous a redirigé vers nous ? Les personnes qui étaient là, je sais plus les noms du tout. C'était des gens en costard et masqués. Masqués ? Oui, ils avaient des lunettes. Ils travaillent pour le domaine de la justice. D'accord. Ah bah écoutez, d'accord. Parce que je cherche un peu de travailler, parce que je voulais travailler en tant que consultant, mais on devait m'appeler, mais du coup, je crois que personne ne recherche un consultant de ma catégorie. Mais écoutez, je vais vous donner le numéro d'un avocat, mais alors est-ce qu'il forme quoi que ce soit, j'en sais rien, mais peut-être que vous pourrez vous renseigner auprès de lui. D'accord. Vous notez ? Dites-moi. 881. Alors non, c'est 8... pas celui-là, merde. Oui, allez-y. 493. 493. 257. 257. Voilà. Donc c'est Monsieur Fitzgerald. D'accord, Monsieur Fitzgerald. Voilà. D'accord. Vous demanderez, parce que... Et puis s'il n'y a toujours pas de réponse, vous reviendrez vers nous. Oui, parce que au début, j'ai croisé un de vos collègues qui devait demander au secteur, parce que je viens d'un pays très lointain. Je pense que vous ne connaissez pas la ville Sipiolo. Ah non, ça me dit rien. C'est une ville qui vient de très loin. Et en fait, je travaillais en tant que consultant pour... c'est à peu près comme vous qui s'appelait... je voulais être consultant pour la LSPDI, c'est ça, comme on dit. Mm-hmm. Je suis un passionné d'histoire, évidemment, c'était mon travail. Et j'ai travaillé avec une personne qui de la... ISPD d'un autre de Cipiolo que vous connaissez pas de la ville de base. Je travaillais dans le scientifique et la criminelle et que j'avais une partenaire qui s'appelait Abby qui est plus de ce monde depuis longtemps. Et je suis un ancien travailleur dans le surnaturel. Du coup, en fait, je voulais travailler en tant que consultant, mais on m'a demandé que ici il n'y avait pas de consultant, c'était un autre travail. D'accord. Bah écoutez, je vous conseille d'appeler l'avocat. D'accord. Et puis s'il n'y a aucune réponse ou autre, vous reviendrez vers nous. D'accord, il n'y a pas de problème. Bah merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Y a merci pas de à vous aussi. Au revoir. Au revoir. C'est pourquoi vous, messieurs. D'accord, ok. Du coup, il faut que je trouve un secteur qui travaille dans la justice.
on va essayer d'appeler un taxi. Je pense qu'il n'y en a pas. Je sais pas s'il y a un avocat qui va m'appeler à cette heure-ci. Je pense qu'il y a personne. Soit je me déco là, je pense que je me déco, ça serait temps. Ok, est-ce qu'il y a un endroit où je peux me déco tranquille? Wow. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, et vous? On dirait que vous avez eu un accident, on dirait. C'est ça, exactement, ouais. D'accord. Un accident de parachute? Même pas, non. Même pas? Non, non, un accident en moto. On m'a renversé. Ah oui, d'accord. Mais ça va, ça va, ça va. Je m'en tiens bien. Vous êtes handicapé? Bah non, je suis blessé. D'accord, ah bon, d'accord, parce que je vois, vous êtes en fauteuil. Non, ça va, allez, vous inquiétez pas, merci. Bonjour.
Bonsoir. Vous auriez une petite pièce pour deux vétérans, monsieur? Non, désolé. Un petit billet. Oh, oh putain. Oula. À couvert, à couvert. Oh le bœuf, oh le... Là, on a failli mourir. On a eu peur. De quoi? Docteur. Ah bon? Ça fait pas avoir peur. Eh docteur? Oui? Vous n'auriez pas une petite pièce pour un vétéran? Je sais que les docteurs, vous êtes riches. Alors, présentement, moi je viens de revenir de vacances, j'ai plus une thune, hein. J'ai pas de voiture, oh, je dors dans un carton, non. Ah, oh, vous aussi, vous habitez dans quel... sous quel pont du coup? Alors, vous voyez le pont qui est pas très loin de l'hôpital, il y a une autoroute. Ouais. Il y a un petit point d'herbe là, bah c'est là, ouais. Entre le... En oui, entre le point d'herbe, oui. Eh, parce que c'est pas qu'on a des cartons qui résistent à la pluie si tu veux. Oui, j'avais pensé aussi au... Vous savez, il y a un petit parc derrière le palais de justice. Bah, il est ouais. Sympathique, oui. Ah ouais, ah non, là-bas, les fonctionnaires du gouvernement, ils nous virent quand on va, non. Oui, saloperie. Ah, vous auriez pas un peu de kéta à dépanner? Un peu de kéta? Non, ça, j'ai pas non plus. Par contre, j'ai un blessé grave, ça se trouve, dans l'hôpital qui est en train de mourir. Dans l'hôpital? Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Non, si dans le... l'hôpital. Oui, c'est pareil, dans le truc, là, les speedy. Non, c'est pas grave, c'est encore un criminel, ça. Un méchant bandit ou un flic peut-être, c'est encore. Ah oh, bah laissez-le mourir si c'est un flic. Non mais attends, oui ça s'ouvre. Oh merde. Oh vous êtes fait. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes vous travaillez dans la SPD? Non pas du tout. Ah d'accord. Vous avez news. Où? Wesel News. C'est où ça? C'est des journalistes, en gros. Ah d'accord, d'accord, ouais. D'accord. Les petites, les petites flash infos que vous voyez passer de temps en temps. Ah d'accord. Voilà. D'accord, d'accord, parce que moi j'essaye de trouver un travail un peu pour travailler dans la justice ou travailler en tant que consultant. Moi, ah, mais, il faut aller au palais de justice. Bah en fait le problème c'est que on m'a... je sais pas où c'est, je suis à pied depuis ah. Un bon moment et... Bah écoutez, montez, voilà. Je vous ai déposé, c'est pas très grave. Oui d'accord, merci. En tout cas, enchanté, je m'appelle Royce Crane. Ça marche, et moi Otto Lacombe du coup. Enchanté. Faites attention ce soir, j'ai quelques petits problèmes de tête. Ah d'accord. Voilà, donc vous risquez d'avoir des petits soucis de vision, mais... Ouais, mais vous inquiétez pas. Du coup, ouais, vous voulez travailler vraiment en justice? En fait, je voulais à la base travailler en tant que consultant, mais en fait, à l'AFPD, ils recrutent pas en tant que consultant, mais... un peu plus haut, je crois qu'il y a un autre, une autre police qui travaille dans tout ce qui est criminel et voilà. D'accord. Parce que ouais, après je sais qu'ils cherchent des avocats, des... un peu de tout quoi. Parce que moi à la base je travaillais dans, je pense, je sais pas, je viens d'un pays très lointain, je sais pas si vous connaissez, je viens de la ville de Sipi Hollow. Alors pas du tout. Bah c'est un pays très lointain. Et ah, je oui, travaillais en tant que consultant pour la police de là-bas dans tout ce qui est le surnaturel et j'étais scientifique et criminel dans la criminelle aussi. J'étais avec ma partenaire qui s'appelait Abigail qui est décédée depuis un bon moment. Et du coup je suis venu m'installer en ville ici pour essayer de travailler. Ok, je sais pas s'il y aura quelqu'un, mais au pire on peut aller à la mairie après, mais sinon je vois pas. Hein. Oui, d'accord, bah je vous attends. D'accord, merci beaucoup. Moi de rien.
on dirait qu'il y a personne. Ouais. Bon bah on va aller voir à la mairie. Et vous avez des contacts à la LSPD ou pas du tout? Ah pas du tout, je viens, ça fait pas longtemps que je suis arrivé, j'ai aucun contact sur mon téléphone du tout. J'ai zéro personne. Et vous avez pas été voir à l'accueil de la LSPD? Si, on m'a donné un numéro d'un avocat, mais ça sonne, mais ça répond pas. C'est comment elle s'appelle? On a Moselle Sonne? Je sais plus, mais on m'a donné un numéro. Ouais. Du coup, c'est un monsieur, mais... un numéro de monsieur qui répond pas en fait. D'accord. Hop. Et voilà, je vous laisse aller à la mairie, je vous attends. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, comment je peux vous aider? Je cherche des personnes de la justice. Je cherche pour, en fait, je voudrais être avocat. Et on m'a conseillé une personne qui était très réputée en ville. Et je voulais apprendre le métier, si vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Oui, sauf que ici vous êtes au gouvernement. D'accord. Palais de justice, oui, vous savez. Le personne qui vient, qui est en voiture jaune, vient de me déposer. Il y a personne. On m'a donné un numéro, mais personne répond. Et en fait, je travaille en tant que consultant dans mon pays très lointain. Je sais pas si vous connaissez la ville de Sipiolo, qui est pas dans ce secteur-là. Je travaillais en tant que consultant pour la SPD de là-bas et dans la... Ok, bougez pas, j'appelle quelqu'un, ok? Oui, allez-y. Tac. On m'a dit qu'il y avait une avocate qui était très très réputée pour apprendre le métier aux jeunes recrues. Oui, certainement. Moi ça fait longtemps que je suis plus au Dodge, alors je vais pas pouvoir vous dire ça. D'accord. Vous êtes agent de sécurité? Directeur, ok, il répond pas, j'ai pas le numéro du procureur Alessio. Oui Tom. En bas. Oui, je suis avec un monsieur, il a besoin de renseignements pour devenir avocat, du coup je l'aide un peu. Il est déjà passé au palais de justice, mais il n'y avait personne, du coup je vais essayer d'appeler quelqu'un pour qu'il vienne directement l'appeler. Oh, bah attends, je sais Tom, bouge pas. Je te rappelle, je monte en haut en même temps. Monsieur. Oui. Moi actuellement, je peux vous donner une solution. Oui. Mais c'est une solution longue. D'accord. J'explique. Est-ce que vous avez un compte Life Invader? Je sais pas du tout. Moi, je m'y connais pas trop bien avec les téléphones. Ok. Sachez déjà qu'un truc, c'est que tout ce qui est publicité, etc. Vous voyez à peu près le système de Instagram? Ça fait pas très longtemps que je suis arrivé en ville. Du coup, je connais pas tout. Le système Instagram de 2021. D'accord. Le Life Invader de la ville, c'est à peu près la même chose. Ici, vous avez toutes les nouvelles, vous avez aussi les postes de recrutement, vous avez tout. Vraiment tout ce qui est en rapport avec la ville, etc. Donc du coup je vous invite à créer un compte et d'aller sur la page de Alessio Baresi. Alessio Baresi A-L-E-2-S-I-B-A-R-E-S-I. Sur sa page, il a partagé le document du département de justice. D'accord. Tout ce qui est recrutement du coup des procureurs et d'avocats.
D'accord. Ça, je pense que comme vous l'avez dû le savoir. Ah mais vous pouvez dire, je sais pas ça. Du coup, je suis directement sur la page du département de la justice, du département de la justice, oui. Vous pouvez envoyer un message comme quoi vous êtes intéressé par le rôle d'avocat, que vous souhaitez postuler et avoir une formation qui est prépayée. D'accord. À partir de ce moment-là, je pense que le département de la justice fera tout pour vous répondre et vous mettre en circonstance. D'accord. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée à vous, monsieur. Merci à vous aussi. Eh ben c'est pas évident parce que j'ai... Mais en fait, vous voulez devenir quoi là, avocat à l'heure d'aujourd'hui? Oui, c'est ça. Ah bah alors attendez. Hop. Je vais vous donner le numéro. C'est une des co-gérantes du Weasel News avec moi qui est avocate. Ah d'accord. Elle forme des avocats du coup. Ah bah c'est la personne que une personne de la justice m'a parlé. Ah bah la Moïse Alton du coup c'est. Oui c'est Samira. Ça je crois. C'est le 88. Alors 16... attendez, dites-moi petit à petit. Alors 88. Voilà, 16 et 13. 16, 13. Voilà. Au pire, donnez-moi votre numéro. Je vais la croiser demain parce que je travaille avec elle tous les jours du coup. D'accord. Et à ce moment-là, je lui dirai demain de. Parce qu'elle n'est pas là ce soir. Ah d'accord. Voilà, c'est pour ça. Donc elle sera là demain. Du coup. D'accord. Alors voilà. Moi c'est. Mon nom c'est Royce Crane. C-R-A-N-E. Et votre numéro de téléphone? Alors c'est le 190339. Là je vous appelle. Hop. Oui, et c'est moi, bon. C'est Otto. Au cas où. Otto, d'accord, je mettrai Otto. Otto. Ok. Voilà, c'est ça. Je vous ramène où du coup là? Bah du coup je vais aller. Moi je vais au garage personnellement. D'accord, bah moi je vais aller voir si je peux trouver un endroit pour dormir. Et d'accord. Voilà. D'accord, ça marche. Bah merci beaucoup. Bah écoutez, bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Otto Tezo. O-T-O. Otto. Otto Tezo. Alors, on va l'ajouter. Alors, un appel. O. Auto-tezo. Auto-tezo. Enregistré. Ok. Je vais aller, je sais pas où. Hein. Je vais aller me déco où. Parce que 2 heures que je joue là. J'ai fait une seule vue sur GTA RP. Putain, ça fonctionnait mieux avant. Derrière.
Aïe. Bon bah ça sera tout pour ce soir. Je vous dis à très bientôt. Ici c'était Mikar Gaming. Je vous dis à très bientôt.